l'air surpris de me voir. T'arrives pas à recoller les morceaux? Ça doit être difficile pour toi de pas comprendre. En général, c'est toi qui donnes les cartes. Rien, je vais t'expliquer. Je t'écoute. Je suis venu ici parce que Maria me l'a demandé. Maria? Mais je crois que vous l'avez revue depuis 10 ans, je me trompe? Non, on s'est revu par hasard. Et il y a une raison pour que tu ne m'aies pas dit avant? Que je dois aider Maria, enfin. J'attends, et elle va me rejoindre pour que... Ah oui, tu lui as fait le coup de la photo de l'opéra, la nostalgie, les souvenirs, l'amour de ta mère. Tu lui as fait aussi le coup du petit évanouissement? Ça a dû la toucher, ça. C'est déroutant, un homme qui tombe dans les pommes. Hello, Maria, j'ai besoin de lui parler. Ben, malheureusement, c'est impossible. Mais tu vas être content parce que j'ai une petite info pour la fin du torchon que tu es en train d'écrire. Maria s'est fait faucher par une moto à 22h30 hier soir. Ça a presque l'air de te faire la peine. Ou alors c'est parce que tu manques d'infos pour la fin de ta petite enquête? C'est grave comme avoir. C'est grave que tu vends, non? Je fais un travail, c'est tout. Un travail? T'appelles ça un travail? Mais t'es comme un rat qui fouille les poubelles. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu nous envoies comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu m'as fait à ma fille? C'est à cause de toi, salaud. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est à cause de toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Oh, mais... Je peux oublier que ça se passe comme ça. Oh, voilà. Au revoir. Laisse-moi les parler, elle me fait confiance. Tu t'en vas, Mathieu. J'en ai rien à foutre de ton bouquin de merde. Retourne te vautrer dedans. Mais je t'interdis de t'approcher de moi, de Maria ou de son fils. Tu m'as bien saisi, Mathieu.